rêvez plus grand, soyez fiers de vos couleurs, je ne résiste pas, alors vite vous demander de faire ensemble une lecture. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Vous êtes merveilleux, jouez votre rôle de douzième homme ce soir, agitez les drapeaux, poussez votre équipe, lorsqu'ils vont rentrer, vous avez 90 minutes, on a besoin de vous, c'est au club, Paris a besoin de vous. Donc surtout, à l'image de tous ces jeunes qui ont participé à la fête, je vous demande de participer aussi ce soir. D'ici quelques instants, ils sont prêts, les deux équipes vont rentrer. C'est le choc donc, de cette 31e journée, ce choc auquel vous allez assister, vous êtes des privilégiés. Donc sachez-le, la France entière, la France du foot va regarder ce match. Et ce soir surtout, c'est tout simplement un match à gagner. Il nous faut les 3 points. D'ici quelques instants, les arbitres vont pénétrer. Place à Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille.
s'endort. Je vous souhaite une bonne deuxième mi-temps. On a toujours besoin de vous. 45 minutes pour tenir le résultat, ou même peut-être pour l'aggraver. Voilà en tout cas ce que je vous souhaite, chers supporters parisiens. Bonne deuxième mi-temps.
Mathieu Bonnet. Allez,
changement. Sorti du numéro 10, Anderson de Carvalho.
à Marseille, on va revoir au but, les buts avant parisiens. Donc, bon retour chez vous, bonne fin de week-end Pascal. Je sais que vous allez avoir le sourire. Le PSG remonte donc à la première place avec Montpellier. Retour donc du Paris Saint-Germain en tête du championnat. Regardez bien donc le but, le premier marqué par le 7, Jérémy Ménez. Thank you.